Ah, 10 millions, ça perd beaucoup, Queen. 10 millions, c'est vraiment beaucoup. On est 4 pour miser 10ème. Ok, ok, ok. Y a 40 thèmes en jeu, là. J'ai trouvé une technique pour vendre des dodges à 10MU. Ah, système de merde. Bien ralasse. Bien ralasse, les songes. il manque la ceinture de Torcoq. Torcoq, rend la ceinture. Elle te porte malheur. Alors, vous allez avoir des mises, du coup. C'est Kyoka, Mew, un pseudo composé dont j'ai oublié le nom. Kyoka, j'arrive et il faut que je récupère la dodge. Attends, c'est tout, j'ai pas la dodge. Et Astou, toi, j'ai dit, tu participes pas, Astou. T'es trop pauvre. Torcoq à déco. Mais non. Il va se faire quoi? Torcoq, reviens, Torcoq. Alors, c'est Kyoka, Mew, Kino. Et The Head. Alors, tout le monde équipe sa dodge. Ou plutôt, défiez-moi plutôt. Défiez-moi, comme ça vous avez direct le placement. Je t'ai envoyé les pseudos, Skippy. Ouais, ce placement il est parfait, hein. Donc 40 millions sur la table. 40 millions sur la table. Alors c'est Kyoka, Mew, Kino et The Head. Alors tout le monde équipe sa dodge. Ou plutôt défiez-moi plutôt. Défiez-moi, comme ça vous avez direct le placement. Je t'ai envoyé le pseudo, Skippy. Ouais, ce placement il est parfait, hein. Donc 40 millions sur la table. 40 millions sur la table. Vous avez une prédiction qui l'emporte d'après vous? Alors, caractéristiques de chacun, ils sont tous les 4 niveaux de sang, c'est bien. Kyoka en Feka. Alors le Feka parmi les 4 persos, c'est le perso qui a le plus de mobilité. T1, il me semble qu'il peut se TP à quelque chose comme 17 cases à base de Kawot, manœuvre. Pavois, Escurse, Téléglyphe, franchement, on a de la mobi. Le SRAM, il se met un vie, donc il peut avancer en mode sneaky. On s'y attend pas et pourtant, dès le T3, il peut rush. Mew, pareil, Mew, côté mobilité, ça y va. Peut-être pas T1. Mais c'est le perso avec la plus grande range au niveau de ses portations, ok. Et puis, Ed, c'est un peu l'outsider, hein. Un Zoba, à la limite, avec le rush. Bon. Merci Torcoq pour le message politique, je vais te lire ça. Je retourne taper les Pew, au moins là je gagne. Merci beaucoup. Alors, vous avez misé, on peut y aller, bonne chance à tous. Et c'est Mew qui commence. Je vais noter l'initiative, c'est Mew, Kyoka... C'est Mew, bah Mew Kyoka, ok. Parce que si il perf de ouf, par exemple, si Mew il gagne et que Kyoka le suit derrière, par exemple, bah c'est égalité.
Je suis à l'aise financièrement. Jeu de merde, ça marche sur coq, merci pour l'argent. Bon, ça se décante un petit peu. On a, pardon pour avoir, on a vu Mew rusher, mais il s'est vite fait calmer. On a Ed, Mew, Kyoka à égalité, suivi de très près par Kino et ouais, Mew, j'allais dire. Ok. Le toboggan. Ah, les 4 joueurs se coincent. On est au tour 16 et quand même, il se passe beaucoup de choses. Hein. Il se passe plus de trucs quand les mecs sont 2 ou 3, forcément. Alors, gros rush de Headhunter. Je rappelle, il y a 40 millions en jeu, chacun 10e. Ok, 3 cases pour Ed. 3 cases à nouveau. Latéral, Kyoka qui suit derrière. 3 cases latérales. Et ça recule. 4 cases pour Ed. Quino qui est vraiment derrière là. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Ok, 3 cases pour Ed. Alors je sais pas combien vous avez mis au niveau de la prédit pour Ed. Mais il est bien parti pour l'instant. 2 cases. Le minmap il est terrible. Hein. Latéral, 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 latéral. Mais Ed qui recule. C'est peut-être le moment de s'imposer pour Kyoka parce que Kyoka aussi est deuxième depuis tout à l'heure. Kyoka, il peut revenir. Hein. 4 cases pour Kyoka, égalité avec Ed. 3 cases pour Ed. Mew qui rush aussi. 5 cases pour les deux joueurs. 3 cases pour Ed, 4 cases pour Kyoka. 2 cases pour Ed. Ça peut se terminer en 2 tours. Non, latéral. Tant pis, Ed. Après, Ed, attention au retour du bâton. Hein. Dans le sens où tu rushes, tu rushes, tu rushes. À un moment, tu te brûles les ailes et après, c'est la dégringolade. Je sais pas, ça peut arriver. On a déjà vu un cas tout à l'heure. Torcoq, par exemple. Non, mauvais exemple. Après, Torcoq, il a peut-être brillé sur un party dodge, par exemple, et il s'est tellement brûlé les ailes que les 10 parties dodge suivants, il a flop. Ok, égalité pour Kyoka et Ed. Kyoka qui recule, qui rejoint le minmap. Ed qui s'impose. 2 cases pour Ed, what the fuck? Ouais, il est tellement loin par rapport à ses concurrents. Kino qui ratisse, hein. C'est quoi, il y a des feuilles mortes, il est en train de passer le balai. Allez, latéral pour Ed, dommage, ça pouvait se finir maintenant. 3 cases à nouveau. Le mec a trouvé une technique pour multiplier ses kamas par 4. Souvent sur YouTube, les titres, c'est « Je multiplie mes kamas par 2 grâce à cette technique ». Les mecs, là, ils multiplient leurs kamas par 4 s'ils gagnent. S'ils gagnent. Sinon, ils perdent juste 10e. Ok, le retour de Kino. Kino qui est en deuxième position et ça, c'est ouf. Troisième parce qu'il était très loin tout le long. Hein. Oh, égalité, what the fuck, le rush. Attendez, c'est un truc de ouf. Une case et non, c'est terminé. Ah, c'est terminé pour pour Kino, il pourra plus gagner. C'est Ed qui l'emporte. Ok, bien joué. Ouais, et même si Kino meurt maintenant, bon, vu que Kino a commencé avant Ed, c'est Ed qui l'emporte. Waouh, mais belle remontada. Hein. Kino. Ça me rappelle une map, ça, Kino. Oh, il se met tellement bien. Need Poulain 1M. Donc, Kaizno n'est pas niveau 200. Mais si quelqu'un veut jouer à sa place... Merci, Mew.